Merci aux enfants de Divo, on applaudit quelque fort. Merci aux enfants de la Fondation, quelque fort. Voilà, nous sommes aujourd'hui, le 25 décembre 2018. Les enfants de la Fondation ont choisi ce jour pour inviter les autres enfants de Divo afin qu'un repas soit partagé. Et là, c'est cette façon, n'est-ce pas, de nous rapprocher des autres, de donner un sens du partage, n'est-ce pas, ce que nous a inculqué. Celui-là même qui a eu cette grande vision, le prophète Joël Ekrasso, qui vous demande d'ovationner très très fort. Sans plus tarder, chers parents d'ici et d'ailleurs, vous êtes très nombreux, n'est-ce pas, et vous nous suivez de partout. Ce jour est un jour très symbolique. Nous allons, avant toute chose, planter le décor, car si toi et moi on se voit, si on se sent, si on peut se toucher, c'est parce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous a accordé le souffle de vie. Applaudissez pour le Tout-Puissant. Nous allons inviter le pasteur Siège qui va planter le décor. Le Dieu trois fois saint, le Dieu tout puissant, Seigneur Jésus, nous ne pourrons pas faire quelque chose, Seigneur, sans t'introduire, sans t'inviter, sans te confier toujours. Seigneur, c'est un grand jour à l'honneur de ces enfants du monde entier, ces enfants de Divo, en particulier ceux de la Fondation Espoir de vie du prophète Joël Ekrasso. Nous te confions cette cérémonie, Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. D'accorder la sagesse à chacun et à chacune. Et que tout esprit quelconque, Seigneur, soit opté de cette cérémonie. Et que cette cérémonie soit sous ton onction, sous ta supervision. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À nos enfants et à travers le moniteur qui va conduire cet instant. On applaudit pour Papa Moniteur. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe 7, versets 14 à 15. Moi, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à
un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura point de fin. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. » Luc 1, verset 26 à 33. Et exécuter ces choses, c'est celui qui a appelé des générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Ésaïe 41, verset 4. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Noël, Jésus est né, alléluia, alléluia, Jésus est né. Noël, Noël, Jésus est né, alléluia, alléluia, Jésus est né. Noël, Noël, Jésus est né, alléluia, alléluia, Jésus est né. Très chers enfants, les enfants du dialogue, vous êtes là? Oui. Et les enfants du Vatican, vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. Et nos enfants, nos chers enfants de la Fondation Prophète Joël Crasso, vous êtes là? Oui. Ok. Merci beaucoup. Bien, ce soir, je pense que aujourd'hui c'est le mardi 25 décembre, c'est-à-dire la fête de la natalité, la fête des enfants. Le samedi dernier, nous étions au dialogue où les enfants de la fondation sont partis partager, n'est-ce pas, des jouets, des cadeaux avec leurs frères, leurs petits camarades de dialogue 2. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est pour la suite du programme. Ce soir, parce que ce même samedi, plutôt le dimanche, nous étions ensemble et nous avons passé officiellement une invitation. Une invitation aux enfants du Vatican, aux enfants du dialogue, auxquels se sont joints ce soir les enfants du Vatican. Mais nous exécutons le programme d'un grand homme. Le programme d'un grand homme, ici, il ne s'agit pas en réalité de programme, il s'agit d'une vision. La vision d'un grand homme, je veux citer le prophète Joël Crasso, que je vous demande d'applaudir très fort. En effet, aujourd'hui, nous sommes à un stade, parce que c'est vrai, élever des enfants n'est pas chose facile. Et aujourd'hui, nous sommes au stade de la solidarité. Nous sommes au stade du partage. Et tout ceci fait partie de la vision du prophète Joël Crasso. C'est vrai que nous avons en charge des enfants que nous préparons pour la Côte d'Ivoire de demain.
Amen. Comment préparer ces enfants-là si on ne leur inculque pas, c'est-à-dire si on ne leur fait pas la culture du partage? Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit en toile de fond et que tout le monde devait comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants, entre guillemets, sont sous la responsabilité des gens qui les aident. Eux-mêmes, je ne dirais pas que c'est des indigents, mais ils vivent de l'aide. Donc du coup, si en ces périodes de fête, on avait une organisation à mettre sur pied, c'est de nous occuper d'eux. Mais au-delà d'eux, nous engageons maintenant l'action de recevoir les autres enfants de la ville de Divo. Et que malgré la position, ils sont obligés aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la culture du partage, la culture de la solidarité. Voici la vision du prophète Joël Crasso. Et cette vision mérite d'être vue, d'être analysée, d'être appréciée, mais surtout d'être copiée. Et ça, c'est le plus important, c'est la leçon du jour. Donc aujourd'hui, nos jeunes enfants sont là, c'est pour partager un repas avec les enfants de la Fondation. Mais en même temps que nous avons en charge ces enfants, aujourd'hui, nous leur inculquons l'esprit du partage, l'esprit de la solidarité. Et que dans la vie, si plus tard, Dieu leur accordait de réussir dans cette société, il faudrait qu'ils sachent qu'ils doivent aider tout le monde. Et aider les gens, ça ne s'improvise pas, ça se cultive, ça s'apprend. Et je pense que c'est ces notions de base que le prophète Joël Crasso est en train d'inculquer aux enfants de la Fondation Joël Crasso de Divo, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, mais en ce moment à Divo. Donc, face à cela, ce soir, j'ai, comme je le disais tantôt, la lourde tâche encore d'assumer, n'est-ce pas, ma responsabilité auprès du prophète Joël Crasso pour que cette fête soit une véritable réussite. C'est vrai que nous commençons un peu en retard. Et surtout, nous ne sommes pas aux heures des discours. Bien que nous ne soyons pas aux heures des discours, mais il faut quand même passer le message. Parce que tout à l'heure, je crois que le prophète lui-même sera en direct. Il sera en direct pour pouvoir passer le message. Parce que l'eau fraîche sort toujours de la bouche de la carpe elle-même. Mais ce que nous avons à dire ce soir, à l'intention de tous nos parents, il faut leur dire que les enfants ont besoin de faire la culture. Tout enfant qui est sous l'état de l'éducation doit apprendre. Dans cette éducation, on doit lui apprendre à partager. Et le partage, c'est une culture qu'on inculque à un enfant, le futur homme, à bas âge. Et je pense que c'est à cela que nous nous attellerons ce soir. Et ceci étant, j'ai suffisamment insisté sur l'essentiel de ce sujet. Je vais permettre maintenant à la cérémonie d'avancer, je crois, avec le prophète Joël Crasso. Ceci étant, je vous remercie. Je salue la présence de tous les enfants. Je salue encore une fois de plus les mamans qui ont bien veillé accompagner ces enfants. Je les salue. Les enfants, applaudissez pour vos mamans qui sont là. Et merci encore une fois de plus au prophète Joël Crasso de donner le bon exemple, de donner le bel exemple. Voilà, en tant qu'homme de Dieu, en tant que véritable serviteur de Dieu, pour que tous les humains sachent ce qu'il faut aux leaders. Des gens qui savent partager et les gens qui ont la culture, n'est-ce pas, du partage et de la solidarité. Je vous remercie. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Allez, et prenez des informations sur le petit enfant. Quand vous l'aurez, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Les enfants de 0, tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. Enfant Jésus et lui donnait les présents. Marie et Joseph souleva l'enfant né.
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son événement. Le président Seko est là et tout le monde est là. On est tout oui et c'est vous, on attend le message que tous les enfants de Digo et de la Côte d'Ivoire attendent aujourd'hui. Pourquoi pas le monde entier puisse ouvrir en direct? Je tenais à dire bonne fête à tous les enfants. Pour nous, c'est comme une tradition, hein, c'est le coutume chaque année. N'est-ce pas, pour nous, c'est le coutume, comme je disais tout à l'heure, nous avons cette habitude de pouvoir, n'est-ce pas, éduquer les enfants. Et surtout, parce que notre combat, c'est de protéger les enfants, de penser, parce que l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à un bien-être, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à beaucoup de droits. Et donc, pour nous, le combat que nous menons, c'est que l'enfant, aujourd'hui, l'enfant doit, n'est-ce pas, bénéficier de tout ça. Mais malheureusement, en Afrique, l'enfant nous vient en seconde position. Et notre combat, c'est de permettre aux enfants africains et aux enfants du monde entier, n'est-ce pas, d'être heureux. Et donc, chaque année, nous essayons, par la grâce de Dieu, de tous les Noël, apporter, n'est-ce pas, la gaieté dans laquelle les enfants. Alors, cette cérémonie a une particularité parce que cette année, on a voulu que l'ancien message très fort, les enfants de la Fondation, surtout de la Fondation PAT, on a organisé une cérémonie de remise des dons, surtout aux enfants démunis des quartiers le plus pauvre d'Ivo, les enfants. Et là-bas, surtout beaucoup de musulmans. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un message très fort. Il faut d'abord commencer à inculquer dans la vie des gens que la religion ne peut pas, créer des problèmes. On peut être musulman et chrétien, être sur le même banc du cas. On peut être un musulman et chrétien et puis être collègue de service. On peut être musulman, et puis être responsable d'une entreprise dirigée. Les chrétiens peuvent diriger les musulmans, les musulmans peuvent diriger les chrétiens. L'histoire des religions, c'est une question de condition. Mais en tant qu'être humain, il faut savoir vivre, ensemble. Savoir vivre ensemble, c'est beaucoup très important. Et en même temps, le partage, il faut partager. Voilà, il faut partager. Et le message très fort avec les enfants, c'est qu'il faut comprendre qu'il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Il faut rendre toujours du bien. Il faut toujours aider les gens, si cela dépendait de nous, il faut toujours aider les gens. Peu importe leur peau, peu importe la couleur de leur peau, leur race, peu importe le groupe ethnique, il faut toujours faire du bien. Voilà, donc c'est un peu ça que nous voulons continuer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons décidé et que les enfants bénéficient ceux de Diabou, n'est-ce pas, bénéficient des dons de la part de Dieu. J'ai vu après. N'est-ce pas, le direct que tu as pu faire, j'ai eu des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un message très fort de comprendre que les enfants de la Fondation sont en train d'expliquer leur histoire. Et j'ai vu des enfants dans ce quartier là qui étaient vraiment franchement démunis, qui avaient vraiment besoin. Et donc, le besoin est tellement énorme. Il faut communiquer autour de nous qu'il faut toujours apporter une aide, l'assistance aux plus nécessiteux. Alors, donc, j'ai vu des enfants de la Fondation quand je l'ai récupéré, n'est-ce pas, et apporté un peu, comme les ténors, c'est la fille, merci. Et saluer tous les encadreurs de cette Fondation. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pour nous, c'est vraiment important de nous battre, parce que c'est ça, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un commandement. Ça s'impose à chacun d'entre nous. Alors, pour nous, il faut déjà commencer. Indiquer cette notion aux enfants pour qu'ils puissent grandir avec. Vous avez vu que nous,
nous avons fait le choix des cadeaux. Nous n'avons pas dormi des pistolets, on n'est pas qui va nous donner un regret demain, et puis nous braque dans la rue, puis demain, il va utiliser la porte pour nous. Excusez, il va avoir un pistolet pour nous terroriser. Donc, les cadeaux sont très puissants, c'est l'avion, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est important. Voilà. En même temps, la sélection des jouets, tout ça. Mais en même temps, nous sommes en train de trouver le savoir-vivre ensemble. Il faut savoir-vivre ensemble, quel que soit le groupe ethnique, quel que soit la religion, quel que soit, n'est-ce pas, la couleur de la peau. On peut vivre ensemble et sans se faire de la guerre. Et surtout, voilà, donc je tenais à dire merci. C'est vrai que je suis loin d'un vrai du cœur. Vous êtes toujours dans mon esprit, dans mon âme. Parce que chaque fois, je prie pour vous, chaque fois, je fais tout mon possible. Je tenais à dire aussi merci aux différents responsables de cette fondation. Nous sommes en train de nous battre pour tout ça, par la grâce de Dieu. Nous prions pour vous. D'ailleurs, vous m'avez offert un beau cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, Seigneur, j'ai vu que tout le monde est passé. Tout le monde a eu, n'est-ce pas, une bonne note. Et que, pour moi, c'est le plus beau cadeau de Noël qui m'avait dans les temps. Je tenais à dire, je vous salue, je vous félicite, les enfants de cette fondation. Voilà, ça a été pour moi un grand cadeau de Noël et en même temps un cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire de vous voir. Vous m'avez permis de venir d'Adam Mère, ça ne comprenait pas les parents, on a suivi le chou là, il faut se tenir. Voilà, aujourd'hui, l'exemple de François, qui est venu, on le sait, vous, mais Dieu, je vois beaucoup de quelqu'un parmi nous qui sont venus aujourd'hui, qui peut aujourd'hui s'exprimer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voici le combat que nous sommes en train de mener. Et encore, ce qui me réjouit, c'est que parmi nous, beaucoup ont eu leur examen, gloire à Dieu. Et ça, c'est. Du coup, ils ont eu un peu. Ce trimestre, tout le monde a eu, n'est-ce pas, une bonne note. Et, n'est-ce pas, il y a eu Boga qui a été premier, voilà, en sixième. Voilà, qui a été premier en sixième. Voilà, soyez parmi les premiers. Si vous voulez aller très loin, respecter les grandes personnes, respecter vos parents, dites ça aux gens. C'est-à-dire, je vous dis aujourd'hui, soyez aussi des porte-parole. Il y a ça, c'est vrai que l'école, ok? Mais si vous avez des amis autour de vous, intégrez cette émotion de vie ensemble. Et puis le partage, parce que c'est ce que nous sommes en train de nous inculquer, cette éducation-là, de pouvoir partager et de pouvoir aimer son prochain. Il ne faut jamais faire le mal par le mal. Si quelqu'un marche sur ton pied et t'a blessé, il faut apprendre à pardonner. Et sur ça, des paroles, il ne faut pas céder à la provocation, mais il y a des paroles qu'on ne doit pas dire. Voilà. Voilà, donc grandissez avec cette notion de savoir constant. Et ne pas céder à la provocation, parce qu'il faut aimer l'être humain. Il faut aimer ton prochain, il faut éviter de nuire à la vie de quelqu'un. Grandissez avec cette notion pour dire la personne que vous voyez en face de vous est, n'est-ce pas, parce que l'être humain est à la ressemblance de Dieu, l'être humain ressemble à Dieu. Alors, donc, il faut avoir peur de même vouloir aider. Alors, vous devez avoir cette notion de toujours vouloir aider. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, nous nous battons pour vous aider, on retourne. Soit raison qui puisse vraiment être Congo, Togo, et puis voilà, c'est pas son issue maintenant. Voilà, tel que Togo, tel que Bénin, partout, voilà, dans tous les pays africains, voilà, et si vous voulez aller à l'école, parce que si vous voulez être grand, demain, allez à l'école. L'école, si vous, ce que vous voulez être, c'est l'école qui va produire ça. Allez à l'école, le jour. Voilà, si vous voulez conduire une voiture, puis demain, voilà, allez à l'école. Si vous voulez prendre des avions, allez à l'école. Voilà. Et nous, pour nous, il y a un chemin. Voilà, on ne sait pas que j'en sais bien, tu commences sur le chemin. Voilà, à vous de maintenant d'entretenir la chose, que c'est qui est logique, c'est que vous avez fait honneur, gloire à Dieu, pour tout ça. Alors, donc, je tenais à dire, tout va bien à mon niveau, tout va bien. Et on a décidé aussi de soutenir, n'est-ce pas, on a décidé de soutenir les veuves. Nous, on a l'habitude de le faire. Voilà, depuis 2012. Mais encore, j'ai commencé en 2013.
dans la région de Tibre, dans la région de Suez, à Zaroko 2013, quand il y avait cette histoire de scolariser les trois, les trois enfants qu'on avait chassés de l'école, en raison, parce que les parents ne retourneraient pas les 3000 francs CFA pour scolariser leurs enfants. J'étais obligé de payer, et n'est-ce pas pour ramener les enfants sur le chemin de l'école. L'histoire est là. Et depuis lors, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de soutenir les enfants et de leur permettre d'aller à l'école. Voilà, donc voici un peu mon histoire avec cette histoire. Et en tant qu'orphelin de père et de mère, alors je me réveille d'être en contact avec les orphelins. Je vous ai toujours dit mon histoire, nous avons tous la même histoire. Voilà, d'autres sont là, ils sont orphelins de père et de mère. Je suis orphelin comme vous. Je n'ai pas baissé les bras. Voilà, je n'ai pas baissé les bras. Je crie en Dieu et je crie en moi. Voilà, je crie, c'est comme vous. Croyez en Dieu, croyez en vous. Et ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parfois des choses qu'on n'a plus ni père ni mère, et qu'on doit en vouloir à tout le monde et devenir bandit. Voilà, donc la vie dépend de ce qu'on pense et ce qu'on veut être demain. Et donc c'est un challenge. Il faut, j'ai dit aussi aux gens, on peut être dans une famille pauvre puis devenir un homme riche. Ça dépend de ce qui est dans notre tête. Et ça dépend de ce qu'on veut réellement. Et dans la vie, si tu es positif et tu suis le chemin de Dieu, tu réussis toujours dans ta vie. Et donc, ne suivez pas les chemins des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, donc, comme je disais, c'est un orphelinat, mais c'est un rêve que je viens de réaliser, par la grâce de Dieu, et en contact avec les orphelins, les enfants en difficulté. Voilà, c'est pas pour les enfants en difficulté. En 2019, j'ai un projet aussi ici pour les enfants de la rue au niveau de l'Abidjan. Et ça, je ne veux pas le déballer et le détailler là, avec ceux qui sont les plus nécessités. Mon rêve, c'est d'apporter un plus à ceux qui, n'est-ce pas, qui ont besoin. Parce qu'il nous reste pas seul le temps de vie sur la terre. Je ne veux pas résumer, personne n'est éternel sur cette terre, personne. On n'atteindra pas même pas 200 ans, même 120 ans, ce n'est pas possible maintenant. Voilà, même si tu as trop duré 900 ans, toi-même tu vas même réclamer la mort parce que tu seras épuisé. Voilà, donc, ce que nous devons faire sur cette terre, c'est de partager et aimer nos prochains. Voilà, donc je tenais à dire, vous saluer. Je vous aime, l'amour est pour vous. Je vous aime comme d'habitude. Un gros bisou à tout le monde. Je vois François, tu as grandi, hein, tu as tellement grandi. Voilà, tu as grandi. Voilà, tu as grandi. J'ai vu que tout le monde est bien. Je tenais à dire merci aux moniteurs qui nous poussent là-bas. Voilà, je vous montre mon premier Voilà, et quand je serai là-bas, on va jouer le football. Voilà, je suis en train de voir comment on va vous apporter le sport. Voilà, pour que vous puissiez vous adapter aussi au sport, c'est important. Adapter aussi au sport. Mon projet, c'est qu'en même temps, c'est vrai que la dernière fois, on a fait problème de fond. On devait avoir bien sûr, on n'a pas eu assez de ressources. Non, mon rêve, c'était, on avait dépensé plus de 4 000 euros dans la manifestation, on a eu peut-être 6 000 euros. Et donc, c'est rentré plus dans les dépenses. Il fallait que je vous dise ça. Notre rêve, c'est d'avoir, n'est-ce pas, état de la fondation. J'étais 3e sur 70 élèves. Amen. Je me nomme Eugène. Je suis en classe de CE. J'étais 3e sur 68 élèves. Chers petits enfants, je pense que le prophète est intervenu en direct. Et l'essentiel de son message, c'était d'accepter la diversité, c'est-à-dire d'accepter, de nous accepter les uns les autres, malgré la différence. Et il ne pourrait avoir meilleur message que celui-là, dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui, que nous avons en partage, et où certains hommes politiques, effectivement, ont comme slogan « Vivons ensemble ». Tout cela dans des faits. Et il a prôné la solidarité.
Et cette solidarité n'a pas de limite. Il a commencé d'abord sur le plan religieux, ensuite sur le plan ethnique. En Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 65 groupes ethniques. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il y a une diversité d'ethnies. Tout le monde, nous sommes aussi de religions différentes. Il y a beaucoup de musulmans parmi nous. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens. Donc, l'essentiel du message, en quelques mots, c'est vrai, il s'est beaucoup exprimé, mais c'est l'acceptation de la différence, l'acceptation de la diversité. Et c'est ça aussi la culture que nous tirons à la fin de cette cérémonie comme leçon. Et ceci étant, vous savez que le prophète n'aime pas faire les choses à moitié. Il y a le repas qu'il offre aux enfants de Divo en général, aux enfants de Divo, les enfants du Vatican et ceux du dialogue. Mais dans le message qu'il a passé aussi, c'est un message pour toute l'Afrique. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui à Paris, il gère toute l'Afrique. Il a parlé du Togo, il a parlé du Ghana, du Gabon, partout, pour parler de diversité, où nous devions nous accepter. Ce vivre ensemble repose sur l'acceptation de la diversité. Donc en ceci étant, tout le monde, il y a il faudrait que les gens le sachent, c'est ce que tous les enfants vont partager, ils vont manger ensemble. Mais au-delà de cela, il offre à nos mamans, parce qu'il leur a promis tout de suite dans le message, je crois que vous avez entendu, c'est les points forts de son message. Il y a une chambre froide qui sera installée au quartier Dialogue pour nos mamans, et j'aimerais qu'on applaudisse cela. Une chambre froide qui va leur offrir, voilà, pour plusieurs activités. C'est aussi une lutte contre la pauvreté, mais en plus de cela, il nous charge de remettre la modeste somme de 30 000 francs, n'est-ce pas, à la vice-présidente. C'est la vice-présidente, on lui remet la somme de 30 000 francs, plus un sac de riz. Malgré qu'il doit manger avec nous, il leur offre ensuite un sac de riz. Et ça, c'est les dons du prophète Joël Asso. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, l'instant bouffe. Merci à la fanfare. Merci pour votre disponibilité. On sait qu'il y a eu trop de bonbons. On est beaucoup fatigués. Mais nous allons quand même ambiancer. On va faire danser, pourquoi pas, le vice-président et le comptable et le staff, voilà, de la fondation. Allez, tout le monde va danser. Partageons le repas. Mettons de la viande.
La lutte continue, passer les bonbons et le train de bonbons des bonbons clients. Merci, Pacom. Est-ce que tu n'as pas donné encore une dernière note? Bah, choper le coin. Allez, merci de nous accompagner. Pacom toujours, Pacom un jour, Pacom toujours. C'est parti, Pacom.